Alors que le Royaume-Uni traverse une crise économique sans précédent, et que les temps ont été particulièrement difficiles au plus fort de l'épidémie de coronavirus, un membre de la famille royale, cousin au deuxième degré du roi Charles III, suscite la polémique avec une demande bien particulière. Lord Ivar Mountbatten, qui vit avec son mari James Coyle sur une immense propriété du comté de Devon, a irrité les habitants du coin en leur demandant de payer une taxe annuelle les autorisant à promener leurs chiens sur son domaine. Outre sa magnifique demeure, Lord Ivar Mountbatten dispose d'un immense parc, le Bridewell Park, sur sa propriété de plus de 40 hectares. Le parc en question était jusque-là ouvert au public sans restriction. Mais le cousin de Charles III réclamerait désormais 60 livres sterling par an aux locaux souhaitant promener leur compagnon à quatre pattes dans les allées du Bridewell Park, rapporte le Daily Mail ce lundi 27 février. La colère des habitants du comté de Devon. Sentant la grande montée, l'aristocrate, qui est aussi l'un des parrains de Lady Louise Windsor, la fille du prince Edward, a justifié la mise en place de cette taxe dans le magazine paroissial. James et moi devons prendre des décisions difficiles pour l'année à venir, a-t-il d'abord déclaré. L'augmentation du coût de la vie et des frais de fonctionnement ces 12 derniers mois a fait que nos obligations en matière d'entretien et de gestion sont devenues trop importantes pour que les retours des cafés, gâteaux et événements communautaires puissent tout couvrir, a-t-il ensuite expliqué. Ivar et James estiment donc cette taxe juste et nécessaire pour maintenir l'accès au parc 7 jours sur 7 et permettre également à leur café communautaire l'Orangerie de rester ouvert. Comme vous pouvez l'imaginer, les gens ne sont pas très heureux, a témoigné un habitant du coin auprès de Richard Eden, journaliste pour le Daily Mail. Et d'ajouter, si est-il une chose de faire payer une journée de visite aux non-locaux. Mais c'en est une autre d'exploiter un public captif. Je ne pense pas que les gens vont payer. Avec cette polémique, Lord Ivar Mountbatten fait une nouvelle fois parler de lui. Mais cette fois-ci, pas vraiment en bien. En 2018, il avait fait la une des journaux en devenant le premier homme de la famille royale à épouser un partenaire du même sexe. Le public avait accueilli la nouvelle avec joie, comme un signe d'ouverture d'esprit de la royauté. Un an plus tard, il participait à une émission de télé-réalité pour faire taire les préjugés sur les aristocrates. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, agence.